Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Yo les ultras, j'espère que vous allez bien. Salut. On part à Mâcon, on va chez les Griezmann, c'est Théo qui nous a invités. Et du coup en fait, Théo ce qu'il a c'est une sorte de ligue ou d'équipe d'airsoft. Il organise des tournois, des compétitions, un peu de tout. Salut tout le monde, c'est Théo Griezmann, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort de FCC 002. Et il m'a invité à tester ça, j'ai ramené l'équipe. Là il y a Cyril, dans un train Marseille-Mâcon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Didier. Je suis parti comme on part faire un footing. Ah ouais. D'accord. Est-ce que tu penses que j'ai un manteau? J'ai complètement zappé. Genre, je suis sorti de chez moi, il faisait bon, j'étais en mode... Sauf que c'est le sud, et là, on part dans le nord. Ça fait peur. Ah ouais, je sais pas comment tu vas faire, tu vas pleurer. Je sais pas non plus. On va arriver là-bas, il m'a neigé, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est ce machin blanc et tout. Ils vont péter les plombs. D'ailleurs, autre personne qui vont péter les plombs, c'est les gens du train. On arrête, on coupe là, on se retrouve à Mâcon. Bisous. Les ultras, on est bien arrivé à Mâcon. Il y a Didier qui va bientôt arriver normalement. Ils sont contents. C'est un collègue que tu as ramené. Tu t'es couvert toi aussi. Oh, gros, regarde. J'ai oublié. On n'est pas à Mâcon, on est à Mâcon con, moi. J'ai oublié le manteau. Il faisait bon dans la maison si je suis parti comme ça, moi, ce matin. Putain, vous avez moi. Tu veux, je t'invite. C'est bon. On n'a pas le temps. Il y a Griezmann qui est devant. Il y a Théo. Ouais. Théo, il est déjà arrivé. Putain, il a sauvé la coupe de moi hier. Ouais, j'ai vu. T'as ouais, vu. Oh, t'as vu minutes. 99ème, gros. Bah. Mais ça, c'est le frère Griezmann. Là, nous, on va voir Théo. On les ultras. On est arrivé du coup au bâtiment FCC de Fast Class Combat. C'est là qu'ils se la foutent sévère les mecs. Je vais vous montrer ça, venez avec moi. Déjà t'arrives, il y a un petit truc qui fait envie. Oh, c'est mon Didier. Salut Brigue. Salut. Ça va? Bienvenue chez UCC. FCC. Hey, bienvenue chez FCC. T'as les gars, déjà tu rentres, Théma, les masques. Est-ce que c'est pas trop? C'est pas trop joli? Moi qui adore les jeux de tir. Ouais, c'est ça, ouais. Regarde-le. Ouais, c'est ça, ouais. Belle moustache, tu vois. Elle est épaisse de ouf, ma moustache. Je suis sûr que je mets sur le côté, tu la vois épaisse de ouf. Ouais, c'est vrai. Comme autre chose ou pas? Ça, je suis léger. Je compense avec les canons. Oh, frérot, c'est un vrai scope. Ah, c'est une vrai scope, là. La GoPro, mets la GoPro dedans. Et là, à droite, t'as un vrai... Ah ouais, de ouf. Viens, on met son nez. Tu le vois son mec, nez? On voit son nez. Putain, on voit son nez. Et à côté là, le Holosun, c'est un vrai scope de l'arme à feu. Il y a des bêtes de gun et tout. Là, je vous montre, je fais une petite présentation de la boutique un peu sympathique. Les gars, c'est quoi votre taille de pull? XL. L. M. Et toi? L. L. Regarde avec quoi on va s'amuser. C'est va? Le feeling. C'est beau. Petite calandre et tout. C'est cadeau de FCC. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est celui-là. Avec le champion de la première date. Oh là là. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. Attends, que c'est pas le champion de la deuxième date. Non, c'est pas le deuxième, il est belge. Ouais. Quel honneur. Mais les Belges en général, ils gagnent pas de trophée, donc il y a un petit problème quand même. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, Cyril, enlève ton bonnet, tu t'es cru où à la pêche? Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Remets ton bonnet, gros. Go! T'as eu un chat en face. T'en penses quoi l'arbitre? Oh ouais, ça va. Ça va. C'est pas mal. C'est un bon début. Go. Oh,
Ouais, j'ai été touché dans le flanc. Ah, c'est sportif, hein. T'as vu ça? Ça prend des lignes directes. Hein. Alors vous en pensez quoi du spectacle, monsieur là? Ah, c'est un truc, gros. C'est sport. C'est un délire. Le pauvre gars, il a jamais joué, il va se faire déchirer. Et du coup, il y a des chants de supporters, genre. Aux armes. Regarde, ça a pété. Grenade. Grenade. On dirait Tarkov, du coup. Non, mais vrai, quoi? Mais gros, c'est impossible, frère! Mais quoi? Montre-leur ce que tu m'as mis sur la crâne, gros! Montre-leur le cratère que tu m'as fait! Man, on m'appelle! Oh l'enculé, les gars! Oh, j'ai un trou dans le crâne, les gars! Condition de rien, mon gros! Ça me fait plaisir de te revoir! Regarde ce que j'ai dans le crâne! Oh le headshot que t'as pris! Ah, frérot! Alors? Il est meilleur ici que sur CS! Bah. Magnifique. Incroyable. Donc là, je te présente la salle de 4. Donc ça, c'est pour les grosses compétitions, quand les commentateurs se posent ici, avec tous nos sponsors qu'on a ici. Et là, tu as les deux télé-retours, avec le retour du live direct et les retours de ce qui va passer à l'écran. Ah, un truc super important qui fait un peu... La VAR. Mais c'est la VAR. Donc là, on a tout le poste de VAR qui est installé, là, vu qu'on est hors compétition, on l'a pas. Mais tout le poste de VAR, il est dédié pour toutes les personnes qui se demandent comment on règle les touches ou les incidents de tir pendant les compétitions pour savoir qui a été touché. Et ben moi, je review tout à la VAR et je vois qui a tiré en premier, qui a été touché et qui ne s'est pas déclaré quand il a été touché. Donc. T'es l'œil de Sauron. Ouais, je suis l'œil de Sauron. Putain, c'est beau. Tiens, suis-moi. Donc là, c'est la zone d'attente des joueurs avant de pouvoir aller sur le terrain. Donc elle est vachement vaste. Là, c'est tout ce qui concerne l'académie pour les petits. Et bah là, on a Diego qui s'apprête à aller sur le terrain. Et juste à côté de lui, bah, la ceinture du champion du monde FCC qui récupère à chaque date. Il y a 4 dates dans l'année avec un cash prize de 8000 euros par date. Donc si vous voulez venir tenter votre chance, et bah, vous nous suivez. Donc là, on a toute la zone de la mezzanine avec les vides qui sécurisent pendant le tir. C'est les gradins, quoi, ici. Ouais, c'est ça. On est en train de faire le tour du propriétaire. On fait le tour de la maison. T'as un petit mot à dire ou pas? C'est fantastique, oh, on passe un bon moment. Quand on était petit, on jouait tous au Laser Quest. On se régalait, après on a fait un peu de paintball. Après on a fait de l'airsoft. Mais ça c'est la version d'après, régalade. Il faut des gants les gars, parce que regardez mon petit doigt. Et surtout regardez le monteur. Démonteur qui s'est fait démonter. Mais il s'est fait démonter par qui? J'avais dit que je mettais un bandeau. Et il s'est fait démonter parce que ça. Attends, parce que au début, tout le monde me disait, mais pourquoi tu mets un bandeau? T'as la réponse. Bon, ça. Tu vas me tuer ton bandeau. Parce que le sport joue. C'est complètement le goulag, gros. Et niveau sensation, tu préfères un goulag sur Warzone en 1 contre 1 contre FIFA Kill ou ici contre Théo Griezmann? Tu transpires un peu plus contre Théo en vérité. C'est vrai? Littéralement, je regarde mon état. C'est vrai, ça se voit. Du coup, Théo, ouais, ça se présente vraiment sur une forme de goulag. Il y a même les noms des pauses, on peut voir là, il y a box. Ouais, c'était pour pendant le stream pour que les gens puissent repérer quand le commentateur y parle. Mais sinon, ouais, c'est en 1v1, 45 secondes le round. Et le but, c'est de toucher l'adversaire en premier. Et quand tu l'as touché, tu remportes 10 points. Et au bout de 30 points, tu marques en 1-7. Et le but, c'est d'aller à 2-7 gagnant et tu gagnes la partie. Le mieux pour expliquer ça, ça va être de montrer ce qui va se passer juste maintenant. Carrément, c'est parti. Go. Ah, j'ai vu. Vas-y, pique. Pique, t'es mort. Ah, bien joué, gros. T'étais en automatique. Ah, attends, je vais te le régler. Ah, j'ai vu tout partir. J'ai dit, ouais, je sais pas ce quoi, là. Allez, il est en train. C'est une orbite de terrain, gros! Aïe! Bien joué! Voilà, du coup, vous avez vu.
Vous avez vu à quoi ça ressemble un petit peu? Ouais, donc là on a les maillots de compète, donc c'est ceux que portent Shaw et tous les gars quand ils vont aller jouer. Et là on a toute la zone média qui est destinée à toutes les photos en compétition, photos pro, photos officielles. Vous pouvez venir autant en famille que pour venir vous entraîner. Ça veut dire qu'on a développé une académie, et l'académie, ce qui est cool, c'est que dès plus petit, eh ben, on peut venir jouer et faire de l'airsoft ici. Le plus petit qu'on a, c'est 4 ans, et il tire avec de la bille d'eau. Okay. C'est du jelly ball, ça fait pas mal. Et il s'en sort bien, t'as déjà eu des petits stages là? Ouais, il est super fort. C'est vrai? Le petit de 4 ans, il est déjà super fort. C'est incroyable, ça doit être tout mignon à voir, mais en même temps très agressif. Ouais, très agressif. Parce que en fait, ils sont pleins de vis, c'est-à-dire qu'ils vont dire ok, on part dans 3, 2, 1, et à 2, ils ont déjà tiré. Ok, ouais, j'imagine. Je peux te montrer les machines SLS là où je fais toutes mes créations. Ouais, et tu sais, moi je vais voir un truc. Excuse-moi, c'est mes restes blessés. C'est pas grave. Je vois ta mallette avec tes customs. Ah bah viens. C'était quoi que tu voulais me montrer? Je voulais te montrer les machines. Mais montre-moi les machines, montre-moi les machines. Et ça, c'est pour créer tous mes prototypes de guns que je passe dans cette machine-là. Et après, ça sort en dur. Et en fait, j'ai tous mes prototypes de corps et je fais tout moi-même. Comme si je créais une arme sur Call of. Ouais. Et je la build moi-même et je fais ce que je veux et je l'imprime, je la sors. Incroyable, incroyable. Voilà. Je peux le taper moi aussi? Je le connais pas. Vas-y, ouais. C'est pas si je le tape. C'est un gros canon ça, Théo. Pas comme le mien. Là, c'est tous mes guns qui sont custom, tiens bien. Donc là, par exemple, t'as un Louis Vuitton avec le prénom de ma fille là. C'est incroyable. Tu vois? Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher Vinci? Ouais, ça c'est la marque que j'ai développée. Et celui-là, par exemple, pour une petite info, comme ça au moins tu l'auras, c'est un kit, ça s'appelle Tiki. Et ce kit-là, il est sorti en 2012. Et ça, aujourd'hui, juste le kit, ça se revend 7 000 €. Voilà. Si les gens veulent venir essayer, qu'ils viennent. Ça dit bien le FPS et la réalité. Et en plus de ça, bah, pour le compétitif, il y a pour le compétitif. Le locatif, il y a. Et pour l'entraînement, il y a l'académie. Donc, Il a réussi, Théo, à allier sport et e-sport. Mais dans le même truc, et je trouve ça ultra quali, bravo. Et bah merci, bravo. Ça bah nous notre but ultime, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a des rendez-vous un peu avec tout ce qui est Jeux Olympiques fin d'été, et on aimerait d'ici 8 ans avoir cette discipline là pour les JO. Tu peux finir sur ce joli plan, parce que le maillot est là. Et on pensera à lui et à vous tous il les est jours. Là. Que tu veux. Il a avancé vachement. Jouer comme si t'étais sur CS. Mais c'est incroyable. Mais tu l'as foutu StatTrack en plus, espèce de malade. Elle est canon celle-là. One tap. Ouais, one tap et Vinci. On a passé un très très bon moment ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour tous ceux qui étaient fans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'Airsoft, tout ça et tout, venez ici, genre régalez-vous, c'est juste trop fun. Toi, ça fait combien de temps là maintenant que tu fais ça? Moi, ça fait 4 ans en soi que j'ai l'idée. Okay. Et enfin, aujourd'hui, j'ai mon terrain. Là, ça fait 3 mois qu'on a ouvert. Les résultats, ils sont incroyables. On a eu 12 demandes de licence sur dossier. Ça, c'est fou. Donc, ça veut dire qu'on pourra en ouvrir un à Lille, Paris, etc. Mais surtout, c'est le retour des gens qui me fait le plus kiffer dans ce qu'on fait. Tu vois, comme toi, qui a jamais fait et qui me dit les premières secondes. Ah ouais, en fait, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le goulag, mais en vrai, tu vois, c'est ça. Il est quelle heure? Grosso modo, pour vous dire, ça fait 2h30, 3h que je me la colle sévère à faire que courir et me faire tirer dessus et tirer sur les autres. En fait, tu finis, tu es oxy, tu as transpiré de fou en faisant quelque chose que t'aimes de malade. Ouais, bah ouais. C'est, on aime tirer, on aime les jeux de tir, pouvoir le reproduire en vrai, on va dire, en toute sécurité, avec du bon matériel et tout, c'est génial. Ça, vous avez vu? C'est pour pas ressembler à Didier. Quel enfoiré! La cartouche, elle est derrière! Je crois qu'il est pas bien! Le caméraman, il sourit de la mauvaise couleur là. Non, en tout cas, moi, remercier à vous, parce que le mood, il est exactement pareil que le mien, c'est-à-dire que ça match super bien. Super content de t'avoir rencontré enfin ici. Quand vous rentrez sur le terrain, que vous aviez les yeux tout à l'heure, je me rappelle. Grand ouvert, se dire c'est bon, on va pouvoir s'allumer, tu vois, c'est incroyable. Pour moi, pour un mec comme moi qui a développé ce sport-là, c'est oufissime. Juste pour préciser, les gars, c'est pas un hashtag ad, rien du tout, c'est juste, on s'est parlé sur Instagram, on s'est pas mal insulté pendant plusieurs semaines. Encore maintenant, voilà. ça a monté un peu les tensions et on s'est dit, vas-y, ben, on se cale une date où on se voit et on s'allume. Juste, on se tire dessus. Si vous en voulez plus, on en refera. En tout cas, n'hésitez pas à aller le suivre. D'ailleurs, tu as un compte Instagram de Fast Close Combat, c'est @FastCloseCombat, de toute façon. Et moi, j'ai une dernière question avant de clôturer cette vidéo. Oui. Est-ce que vous allez vous la coller dans le goulag, mais sur Warzone?
Ah, il faut. Il faut. Il faut. Mais c'est mal tombé de toute façon quand on l'a organisé la dernière fois parce que j'étais tombé malade et toi juste après. Et juste après, j'étais tombé malade, voilà. Gros. Genre horrible. On s'est prévu une semaine, je suis tombé malade. J'ai repoussé la semaine suivante, c'est lui qui est tombé malade. Mais c'est prévu en tout cas. Ouais, c'est prévu qu'on se la colle. Bon, il y a un 2v2 qui va se préparer. Ouais. Cyril, avec des pros, on va bien rigoler. Cyril, il va se faire déchirer, les gars. En plus, il a pas le bonnet ni rien. Go pas lui filer. On go juste le détruire, gros. Après, on peut faire un truc, c'est je peux, s'il prend une M4, tu m'enlever la batterie. Ça veut dire qu'il tirera pas. Bref, vraiment, le feeling, il est fantastique. Je vous invite à venir. En plus, il y a des licences qui ouvriront sûrement dans toute la France, dans les futures années. Ouais, donc, ça sera plus proche d'eux. On croise les doigts. On croise les doigts. Prenez soin de vous, les ultras. Je vous fais des bisous. C'était chaud. Peace.